Agnès Patrice Crépin est une artiste originale. Elle récupère sa matière première dans les casses d'avion. Elle crée des objets uniques, du cendrier à la table de la salle à manger. Elle fait tout dans son atelier à Vielsalm. Et les commandes, eh bien, se multiplient. Martin Bilterès avec Julien Raouet. Alors cette pièce-là est une sortie de réacteur de Mirage 3. Elle n'est ni pilote, ni collectionneuse, mais bien créatrice. On aura le pied dessous, comme ça, au sol. Et ici, ça sera tout capitonné de cuir, ici, avec quelques LED lumineux au-dessus. Et ça sera, voilà, mon nouveau et mon prochain fauteuil Mirage 3. De vieux avions, elle fait des meubles. Agnès Patrice Crépin est designer aéronautique. Lorsque je vois une pièce, si elle me plaît, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais si elle me plaît, je sais que de toute façon, j'en ferai quelque chose. Donc là, il s'agit d'une roue de 747, donc Boeing 747. Donc c'est monumental, puisque la pièce toute seule fait 250 kilos. Dans quelques jours, ce sera une table à manger. Des cendriers, des bureaux, son imagination est sans limite. Bien sûr, des pièces comme celle-ci ne se trouvent pas sur le marché en vente à n'importe qui, mais Agnès a ses adresses. Donc moi, je peux avoir ça par les collectionneurs, les gens qui ont ça en particulier, les privés, à l'étranger, notamment en Suisse, parce que c'est beaucoup plus simple. Et voici le résultat après décapage, ponçage et polissage. Voilà une table terminée, effectivement. Donc il s'agit d'une pointe avant de Mirage 3, donc le nez de l'avion, avec une partie en aluminium et résinée. Et puis là, tout de suite derrière, vous avez... un panneau, donc un fuselage d'avion de Mercure, donc avion, premier avion civil d'assaut aviation. Elle a lancé le courant artistique en France voici 12 ans, a créé son entreprise en 2011 et depuis l'année dernière, elle a ouvert un atelier chez nous avec son associé. Des œuvres tout à fait uniques pour lesquelles il faut compter entre 500 et 20 000 euros.